Encore un petit peu sur la droite. Stop, 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 stop. C'est une belle partition. Oui. Sarah, tu veux bien aller chercher le dernier tableau là-haut, s'il te plaît? Vous inquiétez pas, ça va aller. Votre malaise est lié au fait que vous êtes enceinte? Quoi? C'est courant dans votre situation. Ah non, mais c'est pas possible, j'ai pas eu de relation avec quelqu'un depuis au moins 6 mois. Alors, vous voyez, ici c'est la tête, le cœur. Ici c'est main, vous êtes enceinte d'un peu plus de 6 mois. Mais je veux pas d'enfant, pas maintenant. Si vous ne souhaitez pas garder votre bébé, vous pouvez toujours accoucher sous le secret et le faire adopter. Dans cette hypothèse, à compter du jour de la naissance, vous avez 2 mois pour vous rétracter. Notre premier. C'est une vie un peu compliquée en ce moment. Vous l'abandonnez, mais prenez soin de votre grossesse. Je l'abandonne pas. Il est confié à l'adoption. C'est pas pareil. Tu vas être mère, que ça te plaise ou pas. Et ça exige une hygiène de vie et une préparation à la séparation. C'est des familles un peu modèles, non? Les familles qui adoptent. Elles répondent à des critères précis. On peut les choisir. Je suis sûr que tu partiras comme t'es arrivé. De battement, Daddy.